Hello! Donc là, ce week-end, c'est le match France-Finlande. On vient d'arriver à Vannes et on est dans un internat qui est plutôt cool quand même, on va se dire. Le seul problème, c'est qu'en arrivant, il n'y avait que le matelas. Donc ni l'équipe de Finlande, ni nous, les Françaises, on a de draps, couettes, oreillers. Et donc là, on a eu genre quand même toute la team de Vannes qui s'est démerdée pour essayer de nous trouver ça. Il y a quand même un mec qui vit avec 17 oreillers quand même, hein, et qui a réussi à ramener ça. Donc bref, on a à peu près du matos pour... pas tout le monde, mais on fait comme ça. Et donc bref, là on va se coucher, on va aller s'entraîner demain et après c'est le match quoi, genre avec les Finlandaises, et qui vont être clairement remontées parce que alors là on les fait dormir dans un internat avec rien et on leur amène tout ça genre à 23h. On veut dire que là elles sont claquos et demain elles vont nous attendre. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. Jamba, they not ready. Kush gang, kush gang. Look, look. I'ma rap till the old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man, oh man, oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang, the camp. I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can blame me. My gun off safety. So everyone just take five steps back. The masses couldn't master me. In rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. Y'all ain't passing me. Who's next to blow up Jeff Kirsch? Donc là on est au stade et ouais genre là ça va commencer, on va se préparer, on va se changer et on va attaquer ça et voilà bah c'est la rencontre quoi, genre c'est ce qu'on attendait donc ça va être cool quoi. On voit qu'il est quand même assez stylé avec les poteaux et les lignes, petit écran juste là, ça va envoyer, ça va être cool. Donc voilà, le match contre la Finlande est fini, on a gagné 18-6, on s'y attendait pas du tout parce que bah, les Finlandaises, elles ont quand même une équipe nationale depuis plusieurs années, elles ont un niveau assez élevé, elles jouent à 11 depuis plus longtemps que nous, on va dire que nous on joue pas à 11 tout court en fait, mais voilà, genre, la victoire est là, donc c'est cool, on a bien déroulé les jeux, beaucoup de jeux, la course, ça marchait bien, on continue comme ça, on a fait quand même beaucoup d'erreurs, d'alignement, de formation, etc. On s'est fait flaguer énormément de fois, pour des erreurs qui ne devraient pas arriver, mais bon d'un côté ça faisait qu'un seul camp qu'on s'était vu, donc un seul week-end et on a réussi à montrer ça, donc c'est cool, ça montre un peu le niveau qu'il y a et surtout le potentiel qu'il y a si on continue à se retrouver et à refaire des matchs comme ça plus régulièrement. D'ailleurs ce match a été possible grâce aux Mariners de Vannes et on tient à les remercier parce que sans eux rien n'aurait été possible. Donc, c'est pas la fédération qui a organisé cette rencontre mais c'est les Mariners de Flamme, un club. Et ils ont trouvé des sponsors, ils sont démenés quoi, genre pour nous, pour les filles, pour montrer le potentiel. Et on espère que pour la suite,
on pourra continuer à s'entraîner comme ça et à faire d'autres matchs internationaux. Et on verra ce que la nuit nous réserve. Allez, see you!